Oh là 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 là! Putain! Putain de merde! Oh là 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 là, je suis totalement abasourdi par ce qui vient de se passer! Oh là 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 là, c'est catastrophique! Je m'y attendais à tout sauf à ça, les gars! Oh là 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 là, quel match catastrophique! Oh là, j'en peux plus! J'en peux plus de cette équipe à l'extérieur, j'en peux plus. Faudas, alors allez vous faire foutre, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Putain. Putain. J'en ai marre de cette équipe de merde. Eh, pour moi, déjà, quand tu mets Rafael Leao titulaire, t'as perdu le match. T'as perdu le match. C'est incroyable, ce mec est un poison, ce mec est un gros poison, hein, vous nous le vendiez comme la terreur de Milan, hein, il a fait une grosse saison, joueur de la Serie A de l'année, allez tous vous faire piner vos grand-mères, bande de salopes, putain, il est trop nul au Portugal, trop nul, trop nul, il y en a, ils sont forts en club, et ils sont nuls en sélection, putain, et il y en a, ils sont nuls en club, et il y en a, ils sont forts en sélection. C'est comme ça. Regardez Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, c'est un très bon exemple. Quoique cette année, il est nul dans les deux. Mais même cette dernière saison, il était déjà nul au Portugal. Nul. Il a toujours été nul. Nul. Il n'a pas été nul. Il a été nul. Et Rafael Leao, il a été nul. Putain. J'en ai marre. Ah, Nuno Mendes aussi, nul. Mais lui, un petit nul parce qu'il est fort d'habitude. Là, je ne l'ai pas reconnu, Nuno Mendes. Je ne l'ai pas reconnu. Oh là 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 là, nul. J'en ai marre. J'en ai marre. Franchement, barrez-vous de cette sélection. Ne revenez plus jamais. On a des assez bons joueurs comme ça. Et des joueurs qui n'ont pas été appelés. Comme El Señor, Fabio Vieira. Putain, qu'est-ce qu'il fout encore chez les Espoirs? J'en ai marre, j'en ai marre. Eh, Vitinha, pareil. Tu passeras pas à côté. Otavio, tu passeras pas à côté. Hein, vous avez beau jouer au Porto, vous passerez pas à côté. Hein, des critiques. Non, 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 c'est mort. C'est mort, je suis objectif. C'est le Portugal. Il n'y a pas de Porto, machin. Non, non, non. Là, vous êtes nuls. Vous avez été nuls dans ce match. Les deux, vous avez été nuls. Sur les joueurs de Porto, il y en a eu trois titulaires ce soir. Et comme d'habitude, celui qui a été le monstre. Le GOAT, le meilleur, comme d'habitude, hein, il est vraiment incroyable, on a l'impression qu'il joue depuis 30 ans. Oh là 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 là, son gros crâne brillant là, putain. Pépé! Pépé! Putain, ça pourrait être mon père là. Pépé, c'est mon père. Ça pourrait être mon père, tu vois? Parce que la plupart des joueurs, tu vois, je suis quand même un peu âgé, tu vois, déjà, j'ai 17 ans quasiment. J'ai l'âge de Nuno Mendes, tu vois? Non, non, en vrai. Les gars, moi, les gars, j'ai que 1 an de moins que Gavi. Gavi, qu'est-ce qu'il fout là? Il est espagnol. Mais je m'en fous, je parle de tout le monde. J'ai que 1 an de moins. J'ai même pas 1 an d'écart avec Gavi. Les gars, Gavi, il est né le 5 août 2004, je crois. Moi, je suis né le 2 août 2005. Il y a même pas 1 an d'écart entre lui et moi. Donc ça veut dire que tu vois, j'aurais pu être footballeur professionnel, hein, déjà, tu vois? Hein, si j'aurais eu un gros niveau, tu vois. Mais oh là 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 là, éclaté au sol. J'ai que 5 ans de moins que Fabio Vieira, les gars. Et tu vas me dire que genre même pas genre Ruben Neves ça peut être mon... Non, bah non, Ruben Neves c'est bah Ruben Neves ça peut être mon frère du coup. Mais voilà. Voilà, tu vois. Non. Non. Pépé, les gars, Pépé, incroyable. Pépé, je ne cesserai de le dire. Je ne cesserai jamais de le dire. C'est le meilleur défenseur de la planète. Et je le pense! Et je le pense, putain, je vais pas taper fort, je vais me piquer la main encore. Voilà, alors, vous serez pas d'accord avec moi. Mais il y a un autre joueur juste à côté qui a été tout aussi fort, c'est Danilo Pereira. Oh là 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 là, Danilo Pereira, ça y est, changement de poste, Danilo Pereira, défenseur central maintenant. Il est plus milieu de terrain, il est défenseur central maintenant. Alors merci, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais merci le berger allemand d'avoir fait découvrir
Une nouvelle qualité de Danilo. Oh là 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 là. Merci le berger allemand. Si vous savez pas qui c'est, le berger allemand, c'est Thomas Tuchel, les gars. Eh oui, les gars, il n'y a pas de hasard. C'est le meilleur coach de la planète. Fallait que ce soit notre coach, Thomas Tuchel. Putain, pourquoi on l'a pas emmené au Portugal, là? Bon, il est allemand, mais c'est pas grave. Bref. Voilà. Sinon, João Cancelo. Et bah, João Cancelo, bah, il a fait une. Il a fait de Ricardo Quaresma, voilà. Vous savez, Ricardo Quaresma, c'est un gars qui a. Il avait un talent de ouf, tu vois. Un talent de ouf. Il était fort que dans certains clubs, mais quand il signait dans d'autres, il était éclaté. Il jouait pas, il apportait rien, tu vois. Bah, João Cancelo, c'est pareil, sauf que lui, il le fait en mi-temps, tu vois. Et dans certains matchs, tu vois. Donc, il est encore plus irrégulier, tu vois. Eh ben, João Cancelo, première mi-temps, oh là 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 là, dans le même sac que Otavio, putain, j'en ai marre. Et seconde mi-temps, oh là 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 là, João Cancelo, pah, qu'est-ce qu'il était trop fort. Bon, j'abuse un peu peut-être, non, j'abuse un peu, c'est vrai, mais seconde mi-temps, il s'est quand même réveillé, on va pas trop lui en vouloir. Et au milieu de terrain, oh là 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 là, il vient pas de Porto pour rien celui-là, Ruben Neves. Oh là 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 là, mais quel goat ce gars, pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fous encore à Wolverhampton, sale enculé? Hein? J'espère que tu vas signer à Manchester United, enculé. Non, non, Manchester City, pardon. Manchester City. J'ai trompé parce que United, ils sont nuls. Et puis il y a Bruno Fernandez aussi, donc voilà. Oh, Ronaldo, casse-toi de ce club, putain! Oh là 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 là, Ruben Neves, il est trop fort, il est trop fort. Il est trop fort. Hein. Vous savez quoi? Il aurait dû rester à Porto. Voilà, il aurait dû rester à Porto. Comme ça, on n'aurait peut-être pas eu. Non, en vrai, on a des très bons milieux de terrain. En fait, non. En fait, je dis de la merde. On a eu de... Non, en fait, non. En fait, non. Bah, on aurait eu un milieu de terrain de incroyable. Putain, j'allais dire de merde. Incroyable. Oh là là, imagine un milieu de terrain. Matheus Uribe, Ruben Neves, Vitinha. On aurait gardé une défense à 3, les gars. Bon, Sergio Conceição, il joue en 4-4-2, mais bref. On s'en bat les couilles. Oh là 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 là, on serait champion avec 102 points. 102 points, c'est le maximum de points qu'on peut avoir dans le championnat. Oh là là. Attends, non. Non, attends, non, 102 points, on a eu 91 points. On a perdu 94. Ouais, si, effectivement. Effectivement, on aurait eu, les gars, 102 points. On aurait gagné tous nos matchs. Oh là là, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Tout simplement. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut à Wolverhampton? Mais casse-toi de ce club! Arrête de jouer le maintien en première ligue, putain! Va à Manchester City ou à Liverpool. Voilà, Milner, il se casse de Liverpool. Il est en fin de contrat, je crois. Eh ben, va à Liverpool, frérot. Voilà. Vraiment. Voilà. J'en ai marre. J'en ai marre des joueurs qui restent dans les petits clubs comme Fabio Vieira. Oh là là. Ah non, Fabio Vieira joue dans le meilleur club du monde, les gars. Mais Ruben Neves, oh là là, t'aurais dû rester au FC Porto. Oh, oh là là, quel gâchis. Mais quel gâchis d'être. Mais quel gâchis d'avoir écouté Jorge Mendes, putain. Oh, lui, j'en ai marre de lui. Oh, c'est bon, Jorge Mendes. Jorge mon cul, ouais. Hein. Bon, ensuite, Vitinha. Alors, il a été éclaté, voilà, tout simplement. On va rien dire de plus. Après, il s'est un peu réveillé comme João Cancelo, mais un peu moins réveillé. Tu vois, il est resté quand même encore un peu endormi, Vitinha. Mais par contre, ce que j'ai aimé chez Fernando Santos, c'est qu'il a remarqué. Oui, quand même, Fernando Santos, il a encore, tu vois, il est encore vivant, tu vois. Il dort pas dans une grotte, tu vois. Au moins, Fernando Santos, lui, il a encore la tête, tu vois, au-dessus de l'eau un petit peu, tu vois. Genre, il est quand même capable de reconnaître les joueurs qui sont éclatés, tu vois. Dans les matchs, tu vois. Donc il a quand même pris le soin de sortir Otavio à la fin, à la mi-temps déjà. Ça, c'était une belle avancée, ça déjà. Pour faire entrer qui? Le GOAT, le meilleur joueur de la Liga. Et je pèse mes mots. Il a pas joué cette saison apparemment. C'est un gâchis. C'est un gâchis. Dis-leur, prince, dis-leur. Il fallait faire jouer Gonçalo Guedes titulaire. Voilà, voilà, t'as vu, il l'a dit, je m'en bats les couilles, il l'a dit. Oh là là, Gonçalo Guedes, oh là 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 là, ben j'espère que tu vas signer au Real Madrid. Au Real Madrid, t'es beaucoup plus fort que Rodrigo, oh là là. Oh, j'en ai marre, non mais j'en ai marre, casse-toi de Valence, c'est un club de merde.
Voilà, ils savent même plus jouer au foot, ils sont milieu de tableau de Liga. Ils savent plus jouer au foot, Valence. C'est bon. C'est bon, ils sont plus dans les années 2000 où ils allaient en finale de Ligue des Champions. Non, c'est terminé, les gars. C'est fini. Valence, c'est terminado. Donc, ils sont nuls. Donc, casse-toi de ce club, Gonçalo Guedes, mais casse-toi. Mais casse, fais comme Ruben Neves, va jouer à Liverpool. Putain, Liverpool, au lieu de ça, ils ont recruté. Mais non, Gonçalo Guedes, présente-toi, appelle les dirigeants de Liverpool et tu leur dis que acheter Darwin Núñez, c'est une grosse erreur. Il faut qu'ils t'achètent à la place. Il faut qu'ils t'achètent. Ça, il fallait acheter Gonçalo Guedes à la place de Darwin Núñez, tu vois. Tu vois le truc? Parce qu'il vient de Benfica. Non, en vrai, bonne idée, la saison prochaine, va regarder Liverpool. Parce que Darwin Núñez, c'est un gros joueur, enfin, on va pas se mentir. Heureusement que Darwin Núñez se casse de ce gros club des Incarnados, hein. Voilà, ça, il s'appelle comme ça, les incarnés du sous-sol, tu vois. Cassez-vous. Cassez-vous aussi. L'année prochaine, vous ne serez pas champion. Bon, Darwin Núñez qui se casse de Benfica, ça c'est bien, ça. Enfin, il a compris que c'est un club de merde, un club de merde, Benfica. Ah là là, un club de merde. Oh là 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 là. Ah, depuis que... Pardon. Oh, depuis que Jonas est parti, vous êtes nul! Benfica, nul! Eh, vous rendez compte que Jonas, je crois, il est parti en 2019, je crois, de Benfica. Et genre, depuis ce moment-là, Benfica n'est plus champion. Tu vois, ça veut dire grand-chose quand même, tu vois. Quand on regarde. Bon, bref, nul. Benfica sont nuls, voilà. Rien à dire. Faut pas parler de 14h à 20h. J'espère qu'ils se qualifieront pas pour la prochaine Ligue des Champions, parce qu'ils jouent les barrages, enfin les tours préliminaires. Et puis on va reparler gentiment du Portugal. Alors, Vitinha éclaté, Ruben Neves, le meilleur milieu de terrain de la planète. Et cette grosse fraude de Bruno Fernandes. Ensuite, oh là 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 là. Oh là là, j'ai parlé de lui, je crois, au début. Ouais, j'ai parlé. Enculé! Lui, là, c'est une grosse crevure. Faites gaffe, faites attention à lui. C'est une grosse crevure, ce chat. Pourquoi t'es couché là, enculé de merde? Ça va, petit roux? Je veux dire que même lui, il sera plus fort que Raphaël Léao, tu vois. Non, mais vrai. Regarde, hey, il essaye de m'attaquer, hein. Il essaye de m'attaquer, hein. Saleté de roux. Saleté de roux, va. Ah, je l'aime trop, ce chat. Bon, j'en étais où? Oh là 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 là, bon. André Silva, bon, André Silva a fait une bonne deuxième mi-temps. Bon, bref, voilà, il a pas eu beaucoup de ballons première mi-temps. Bon, André Silva, c'est peut-être le joueur que j'ai moins vu. Et... Bien évidemment, Diogo Jota. Oh là là, Diogo Jota, on va parler de Diogo Jota, incroyable. Oh là là, Diogo Jota. Alors, la morale de l'histoire, c'est que quand il est rentré, j'ai dit, oh non, pas lui, oh, il est trop nul. Ah, il était trop nul le dernier match. Mais alors là, oh, Diogo Jota, il aurait mérité de mettre un ou deux buts. Hein. Vraiment, Diogo Jota, incroyable. Il a fait une entrée remarquable. En fait, tout simplement, tous les changements que Fernando Santos a fait ont été gagnants. Enfin, gagnant, bah, du coup, on n'a pas gagné, mais ils ont été très bons. Qui est rentré? Gonçalo Guedes, très bon. Diogo Jota, très bon. Ricardo Horta, très bon. Il a été bon, quand même, Ricardo Horta. Il a fait une bonne entrée. J'ai vraiment cru qu'il allait marquer encore, parce qu'il a fait une frappe un peu en... Bon, il n'a pas assez enroulé, malheureusement. Puis voilà, hein, tout simplement. Donc, bonne entrée aussi de Ricardo Horta. Ensuite, on a eu. Alors, je me souviens plus trop bien de toutes les entrées. Je crois que c'est tout, il me semble. Il me semble que c'est tout. Et, ah oui, ah non, bien sûr, le GOAT, le meilleur milieu de terrain de Manchester, El Grande de la Manchester City, Bernardo Silva, comment puis-je l'oublier, ce joueur? Oh là là, il rentre, il te fait une frappe du gauche. Pouh! Mais voilà, fini. Et c'est là la suite. Le gardien de la Suisse, Omlin. Oh là 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 là. Oh, lui, il joue à Montpellier, lui. Tu vas me dire que lui, il joue à Montpellier.
Lui joue en Ligue 1. J'y crois pas, j'y crois pas. C'est totalement lui qui nous fait perdre ce match. Parce que oui, on perd 1-0, donc la Suisse a marqué. Mais je vous jure qu'on aurait mis 4-5 buts. Parce qu'on a eu des occasions plus que franches. La tête de Diogo Jota, la frappe de Diogo Jota, la frappe de Pepe, la frappe de Bernardo Silva, celle que j'ai parlé juste avant. On a eu 10 000. La frappe de Gonçalo Guedes, le gros centre de sûrement pas Nuno Mendes, qui est arrivé sur le pied de Gonçalo Guedes et une ligne qui la sort. Franchement, ce gardien est incroyable. Je pense que le FC Porto aurait dû le recruter, hein. Mais bien évidemment, maintenant c'est trop tard, hein. C'est trop tard. Bon, il joue à Montpellier encore, donc bon, on peut le recruter, tu vois. Mais Montpellier, c'est un peu nul, tu vois. Donc bon, calmons-nous. 1-0, défaite 1-0, donc on va parler du match en soi, on va faire les tops et les flops. C'est parti. Alors, en top, les gars, bah clairement Pépé, on va pas se mentir. Pépé et Danilo, je mets les deux en top. Pépé et Danilo, en vrai, parce qu'ils ont été incroyables. Clairement, défensivement incroyables. Ils nous ont fait tenir. Bon, on a été cueillis à froid, clairement. Mais ils nous ont fait tenir. Et puis le troisième top, c'est Gonzalo Guedes, que je mets dans mes tops. Alors, j'hésitais avec Ruben Neves, quand même. Mais Ruben Neves, on l'a un peu moins vu en seconde mi-temps. Il a été un peu moins impérial. Gonçalo Guedes, il a fait une entrée et il a quasiment pas fait d'erreur. Vraiment, Gonçalo Guedes a été impérial toute la deuxième mi-temps. Donc pour moi, il mérite d'être dans les tops. Et puis, bah, il le mérite totalement, hein, vu la saison qu'il a quasi pas faite. Là, il joue avec le Portugal et vraiment, Gonçalo Guedes est très bon. Il est très bon. Donc, en flop, bah, Otavio, clairement. Otavio, je ne l'ai pas reconnu. Le Otavio du FC Porto, je l'ai pas reconnu. Le Otavio qui joue au Portugal était très bon. Le Otavio d'habitude est très bon, hein, en Portugal. Il a marqué quelques buts. Il a marqué contre la Turquie. Il a marqué, je crois, contre le Qatar en match amical. Il a marqué quelques buts déjà. Hein. Et sachez que ça fait même pas un an qu'il joue au Portugal, Otavio encore. Il a commencé à jouer au mois de septembre au Portugal, en sélection. Et donc, Otavio a été très bon. C'est vraiment son premier match. Il est vraiment médiocre. Vraiment. Vraiment premier match où il est médiocre. Deuxième match, non. Deuxième flop, Raphaël Léao. Oh, j'en peux plus de ce gars. Oh, j'en peux plus de ce mec. Oh, casse-toi. Mais casse-toi. Casse-toi. Eh, va t'entraîner. Va t'entraîner. Va t'entraîner. Clairement. Reste bien Milan gentiment et tu reviens quand tu seras mieux, tu vois. Parce que là, j'en peux plus. Ensuite. Nuno Mendes, clairement. Pff, oh là là, il a été nul. Il a été nul. Bon, il a un petit peu remonté la tête de l'eau dans les 10 dernières minutes, mais clairement, quand tout le monde était fort, quand vraiment on commençait vraiment à dominer de A à Z, et que tous les joueurs étaient impliqués, tous les joueurs étaient bons, hein, tous les joueurs étaient repassés, genre toute l'équipe était repassée du bas au niveau, tu vois, parce qu'en première mi-temps, c'était catastrophique. Et les changements de Conceição, je veux dire, les changements de Fernando Santos ont été payants. Parce que finalement, les entrants ont été bons. Et puis, même, comme j'ai dit, João Cancelo, et même les joueurs qui étaient déjà là, étaient un peu mieux. Sauf Nuno Mendes. Lui, par contre, il est vraiment, c'était mauvais quasi jusqu'à la fin du match. Donc, voilà. Ah oui, et puis, il y a Nunes aussi qui était rentré. Voilà, c'est le cinquième que j'ai oublié. Il est trop nul. Il est trop nul. Il était trop nul dans ce match. Mais Nuno Mendes, il est fort, on le sait très bien. Il va remonter le niveau. Il a déjà été fort, hein, avec nous au Portugal. Donc, voilà. Alors, je vais vous laisser. J'en ai marre de cette défaite. Clairement, je commence à saturer fort. Et puis, j'ai un coup de gueule à passer, bien évidemment. Un gros coup de gueule à passer. Qu'est-ce que Fernando Santos, espèce d'illustre enculé que t'es, qu'est-ce que t'autorises Cristiano Ronaldo à partir en vacances alors qu'on a un dernier match à jouer? Ça, je ne comprends pas. Clairement, ça nous aurait évité de mettre Rafael Leao. On aurait pris, bon, il aurait joué en pointe, donc c'est plutôt André Silva qui aurait sauté. Mais vas-y, André Silva, tu le mets à gauche, c'est pas grave. Et puis Cristiano Ronaldo, c'est un ailier gauche, tu peux le. Bon, il a plus trop le niveau pour jouer à gauche, certes, enfin, il a le niveau, si, il a le niveau pour moi, mais il serait moins percutant qu'avant. Mais tu peux quand même le faire jouer ailier gauche, c'est son poste de base. Tu peux quand même encore faire jouer ailier, il sait courir encore, tu vois, le gars. Donc, c'est ça nous aurait évité de faire jouer Rafael Leao, oui. Mais je ne comprends pas. Pourquoi il a fait ça, Fernando Santos? Clairement, casse-toi, casse-toi. Je ne te veux pas. Mais bon, là, c'est trop tard de toute façon. Il va falloir faire la Coupe du Monde avec lui, sinon ça va être catastrophique.
Pour moi, je pense que si un autre coach vient, ça va être compliqué pour lui de s'adapter directement. C'est vrai que le Portugal, c'est un cas. Je pense qu'il faudra attendre la fin de la Coupe du Monde pour peut-être que Fernando Santos parte, tu vois, et que quelqu'un d'autre vienne, tu vois. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les gars, faut le dire à un moment. Moi, j'ai un nom. Bon, déjà pas Sergio Conceição, déjà, il reste à Porto, lui, d'accord? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, et tout, il est libre et tout. Il a les cheveux blancs, il a gagné la Copa Libertadores, il a joué, il a entraîné une équipe de merde. Non, je rigole, je rigole, pas lui, hein. Pas Jorge Jesus, non, 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 pas lui, hein. Vous avez cru quoi? C'est bon, hein. Éclaté ce coach. Non, non, en vrai, il est bon, mais il est, non, non, en vrai, non. En vrai, je vous l'ai dit une fois, c'est vraiment un entraîneur que je respecte, tu vois. De base. Donc il est bon, tu vois, ça me dérangerait pas de le voir. Mais bon, est-ce qu'il n'est pas un peu dépassé, tu vois? Fernando Santos aussi est dépassé, mais bon, ça c'est autre chose. On pourrait mettre Espirito. Nuno Espirito, celui qui a entraîné Wolverhampton, tu vois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Clairement, hein. Bon, il faut parler un moment, pourquoi pas. Franchement, alors je sais pas s'il entraîne lui encore. Mais celui qui entraînait Monaco là, merde. Merde, 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 j'ai oublié son nom. Merde, j'allais dire Ruben Amorim. Non, lui il reste au Sporting, il est bien au Sporting. En vrai, Ruben Amorim, ce serait pas mal parce que c'est vraiment un très bon entraîneur, tu vois. Vraiment, mais ouais, il est au Sporting, il est bien. Voilà. Voilà, si on va pas déloger Conceição, on délogerait pas Ruben Amorim, tu vois. Tu vois, c'est. Voilà. Ah, j'ai plus le nom, putain, du coach de l'ancien coach de Monaco, là. Putain. Le portugais, là, attends. Merde. Non, bah, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus son nom, j'ai un trou de mémoire. Non, j'ai un trou de mémoire. Bon. Clairement, pour entraîner le Portugal, faut un autre coach. Faut un autre coach de suite, clairement. Après la Coupe du Monde, de toute façon, c'est trop tard. C'est trop tard. Fallait le virer avant. Fallait qu'il parte avant. Donc bon, c'est trop tard. En vrai, si vous regardez ma vidéo, mettez-moi des noms de coach portugais. Bah, des noms de coach tout court, en fait. Pas forcément portugais, mais le portugais, c'est mieux quand même, vu que c'est le Portugal. Donc, voilà, c'est mieux. Mettez-moi des noms de coach pour le Portugal prochainement. Parce que pour moi, Fernando Santos, c'est plus possible. Pour moi, il aurait dû partir depuis la Coupe du Monde 2018. Il aurait dû partir après la Coupe du Monde 2018. Il aurait dû partir à ce moment-là, parce que clairement. Voilà, après, franchement, je pense que je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo. Et puis, je vous dirai pourquoi il devait partir et pourquoi il peut plus être là. Je pense qu'il faudrait. Ça me donne une idée, là, comme ça. Bon, les gars, je vous laisse. Salut.